Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle vidéo présentation sur Crossout. Donc, un jeu qui est actuellement en bêta fermée, dont on m'a invité, donc je vous remercie si vous me regardez. En tout cas, on pourra remercier les développeurs du jeu pour m'avoir simplement invité à cette bêta fermée. Donc on va faire trois vidéos en tout cas découvertes. Si vous voulez une série dessus, vous me le dites et moi je recontacterai donc les développeurs pour voir s'il y a moyen de le faire ou pas. Normalement oui, ils m'ont même proposé déjà un partenariat entre guillemets sympathique, enfin sans m'en donner plus, sympathiquement on va dire. Donc bienvenue aux ingénieurs. Tu es maintenant l'un d'entre nous, ce qui veut dire que tu n'auras plus à traverser les Westlands, c'est comment, les terres désolées, tout seul. Combat pour nous et gagne de la réputation dans les combats. Le plus on te respecte, le plus de récompenses de faction tu gagneras. D'accord. Et voici donc le principe du jeu, chers amis. C'est tout simplement un jeu avec des véhicules customisables. Et dont on peut modifier en fait certaines valeurs, certaines données. On a ici un bouton option. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Contrôle, ça peut être intéressant. Moi j'avais mis... Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Ouais, non, on va peut-être pas essayer de le faire comme ça. On va d'abord le faire avec la souris et le clavier. Hop. On fait ça ensemble, chers amis. Hop. RT LMB Left mouse button, right mouse button, d'accord. Spécial équipement F. Klaxon H, pourquoi pas. Headlight L, ouais, pourquoi pas. Lifting jack, si tu le dis R. Espace, d'accord. Ok. Rien de bien difficile alors. Ok, bah écoutez chers amis, on va faire alors attendez, il y a un mode build. Jump into battle, press battle, to start the fight, but start the fight, increase your reputation and get a reward. D'accord, bon bah on va faire ce qu'il demande. Get a machine gun. D'accord. Sélectionner la mission, d'accord, PVP. Alors moi je serais plutôt joueur PVE, hein, potentiellement. Cependant vous pouvez voir qu'on a de l'essence, que j'imagine de l'essence et des crédits. Donc on a... plus ta réputation grandira, plus tu pourras sélectionner une mission, press battle, pour entrer dans le combat. D'accord, on y va. Ok, nous y sommes. Crossout, craft, try, destroy. Donc c'est un petit peu... c'est un petit peu un espèce de Robocraft-like, mais un peu plus... un peu plus sur des voitures, simplement, et du... comment, du... du... hop, d'accord, c'est un particulier. Et un peu plus, donc, du... comment, du Mad Max-like aussi, hein, surtout, hein. Ça a l'air très très compliqué pour certains. Alors, on sera prêt dans le prochain round, mais quand même, ils sont plus que deux en face. D'accord, ok, je vois comment que ça fonctionne. J'aimerais savoir de quel côté je suis du coup. Ah bah c'est bon. Fin de la game. C'est bon. On peut y aller? C'est pas que j'aime pas, mais... enfin, je voudrais bien jouer, quoi. Ah. D'accord. Deux teams, une base, capturez-la. D'accord. Ça a l'air sympa, en tout cas, comme map. Ça fait très Borderland-like. Le petit côté cel-shading, ça fait vraiment très très Borderland. J'aime beaucoup jusque-là. Ok, allons-y. On a un véhicule qui semble être assez lent. Niveau munitions, ça a l'air d'être limité. Non. 288, ça doit être les points de vie en bas. J'ai effectivement l'impression d'avoir un véhicule assez lent. Ce qui en soi n'est pas si mauvais que ça. Hein. Normalement, la lenteur est synonyme de tank. Dans un jeu, il y a un gros manque de musique. Hein. Ça recharge, d'accord. On va y aller. Hop, les ennemis détruits. Et de 1.
Hop, on va reculer un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Et donc on va pouvoir choper la base normalement. Sans trop de problèmes. Voilà, victoire. Bah écoutez, c'est une première victoire, chers amis. C'était sympa. On peut faire des kills assez facilement. Prenez un barrel de carburant pour refaire le plein, d'accord. Oui, ça me semble logique, dit comme ça. Capturer la base ennemie, d'accord. Toujours la même map pour l'instant. Ah non, pas exactement. J'ai pas l'impression que ce soit exactement la même map. Et c'est pas le même... C'est pas le même type de game, c'est capturer la base ennemie là pour le coup. D'accord. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? On y va. Hop. Essayons d'attendre un petit peu nos ennemis. Essayons de faire le tour tranquillement. Est-ce qu'il y a un système de radar en bas à droite? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui soit... comment dire? Une sorte de radar? Ok. Hop, allez, tire. Ok, donc là on va se faire défoncer par contre. Faut être honnête, voilà. Tous les clients sont morts. Ah bon? Game will be finished, d'accord. Tous les clients sont morts, what the fuck. Victoire, bon bah ok. Light Machine Gun 2, Scrap Metal, d'accord. Allez au garage. Je présume qu'il y a quelque chose à faire au garage. Ok, level up. Deux roues moyennes à mon avis guidables. Van roof, j'imagine que c'est un toit. Des planches et le côté du van. Bon, est-ce que tu le dis? Square cover et tiny cap. Les ingénieurs. Il n'y a pas que des missions des récompenses et des chats. Tu dois aussi récupérer des scraps pour utiliser sur ton établi. Sur notre établi. New part from scrap using our bench, d'accord. Oui, c'est ça. Pour créer de nouvelles pièces, pardon. Pour si tu ne peux pas trouver la bonne pièce dans le combat, pourquoi ne pas la créer toi-même? D'accord, open faction windows, d'accord. Ok, faction, donc te permet de créer de nouvelles parties. Presse le bouton manufacturing, voilà, d'accord. Need to rent a workbench, d'accord. Rent a workbench free, d'accord. Donc j'imagine qu'il y a un temps, voilà, c'est ça, c'est là que commence à arriver tout le jeu. Les pièces requièrent des ressources. Tu as juste assez pour une roue. Press build. Ok, on y va. Et voilà, elle est terminée. D'accord. Et on peut la récupérer. Ok, oui, c'est assez simple. Je suis pas fan de ce genre d'attente en fait entre deux trucs, mais pourquoi pas, c'est assez simple. Ok. Donc, mentors d'auteur, d'accord. Ok, d'accord. Donc on est dans les ingénieurs, il y a d'autres équipes, entre guillemets. Pourquoi pas. Est-ce qu'on a autre chose? Non, rien d'autre. Trophy container, d'accord. Ok. Maintenant si on part en build, parce que c'est ce qu'il nous demande. Clic droit pour enlever la partie, table pour en récupérer d'autres. Double clic.
Ok. Gear Grinder, Test Drive. D'accord, c'est sympa. Les décors sont loin d'être moches. Solide, dis donc. Ok, parfait. On va rentrer au garage. Comme ça, voilà, d'accord. Ok, pourquoi pas. Build. D'accord. Tab. Et donc, vous voyez, on a des starter machine gun qui font... Alors, durabilité 10 sur 20. What? Il y a de la durabilité dans ce jeu? Alors ça, par contre, je suis pas fan. Mais bon, on va bien voir. Indestructible. Oulala. Ça, je suis pas fan. Est-ce que je peux... Comment je fais pour la... Q, d'accord. QER. Ok, je vois comment ça marche. Ok. C'est rigolo, on a le même problème que dans Fallout. Si je veux l'éditer, c'est clic gauche, simplement. Pourquoi je m'embêterais? Hop. Crac. D'accord. Ok. On va bien voir. Battle. Get the machine gun. Get the shotgun, level 3. D'accord. Easy race, cost 10. D'accord, ok, pourquoi pas. Il semblait qu'on avait découvert un autre truc, mais bon, on va aller voir. On va aller voir, on va voir le niveau 3, on va aller voir. Hello, your car will be ready in the next round. D'accord. Ok. Ça se bat violemment. J'ai du mal à croire cependant que ce soit des... Des joueurs. C'est bizarre. Oula, Sergei n'est pas en forme. Sergei en chie. Boum. C'est un petit côté... Enfin moi quand je le regarde comme ça, ça me fait un petit peu penser à World of Tanks, je sais pas trop quoi là. Moi j'y joue pas ce jeu là, donc bon... Mais ça me fait penser à ça. Ok, bien joué les mecs. Ah, c'est une victoire. C'est une victoire. Ok, allons-y. Allons-y. Deux teams, une base, capturée là. On va plutôt se faire du kill, je pense. Hein. Hop. Alors. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de PNJ, je sais pas pourquoi. Ok, on y va. Alors, par là, il y a quoi? Oula, elle en chie. Elle en chie, Simone. Elle en chie, Simone. Ah, mais c'est là qu'on était la dernière fois. Hop, ennemi détruit. Hop. Qu'il assiste. Oh là là, on m'appelle. Non, pas maintenant.
Ah ! Un instant. Re, excusez-moi, chers amis. Excusez-moi. Hop. J'ai dû malheureusement couper. Hop, kill assist, victoire. Merde, j'ai dû couper, ça me fait chier. Ah là là. Allez, prochaine bataille. On a gagné des roues. Mais voyez, durabilité, j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça. Il y a eu ça au tout début, un petit peu de Robocraft. Les repayer son, la réparation de son robot, je trouvais ça stupide. Et là, c'est toujours aussi stupide, honnêtement. Et honnêtement, je sais pas à quoi ça correspond la durabilité. Si c'est pendant, est-ce que c'est les points de vie pendant une partie, 10 sur 20, ou est-ce que je peux faire pendant 10 parties et 9, 8, 5, 6, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Honnêtement, ça me plaît pas. Soyons honnêtes, ça ne me plaît pas. Hop, on va aller par là. Il y a le klaxon, ça fonctionne. Hop. Hop, on est à court de munitions pour les deux. Hop, voilà. Voilà. Do a barrel roll. Je sais pas pourquoi j'ai entendu cette pipe avant longtemps. Hop. Parfait. Est-ce qu'il reste des gens? Hop les ennemi destroyed. Alors, où est le dernier? Hop les, voilà, ça c'est fait. Bon. Je crois que je suis encore premier. Stickers, d'accord. C'est cool. Reward, carjack, d'accord. Scrap metal. Ok, bon, on atteint le niveau 3, on retourne au garage. Alors, niveau 3. 25, Paintiner, Light Machine Gun, Isotope 239, d'accord. Frame 2 par 4. D'accord. Que des trucs. Tu te débrouilles bien. Donc, on va être Wander. I'm the Wanderer. Oh, je sais plus comment il s'appelle, ça, je sais plus ce que ça veut dire. Merde. Tu as fait quelques combats donc et tu as quelques pièces dans ton garage, on va dire. Storage, c'est comment, c'est le garde-pièces, entre guillemets, je sais plus comment ça s'appelle ça. Hein. Oh, merde, je sais plus le mot en français. Il est temps d'apprendre quelque chose de nouveau. On peut casser des pièces pour en faire des bouts de métaux, des scraps. Parfois c'est mieux que de remplir ton storage, donc ton... Ah mais le storage, c'est quoi? Putain, je sais ce que c'est. Stockage, oui, bah oui, tout simplement, le centre de stockage de pièces inutiles. Sélectionne juste une pièce et désassemble là, c'est... C'est pas le moment de te dire ça, mais tu peux aussi vendre les pièces... sur le marché noir ou encore même acheter des choses, d'accord. Storage. D'accord. Je comprends vraiment pas le principe de la... ...10/20, d'accord, bah c'est bon. Je peux mettre ce que je veux, donc. Par contre, c'est chiant, le contrôle est comme sur... comment que ça s'appelle, sur... Alors, est-ce qu'on peut changer les roues, par exemple? Oh là là, c'est chiant. Structure, energy drain, masse, d'accord. Power score 70.
D'accord, donc j'ai pas de raison pour l'instant d'en changer. 38, celles que j'ai actuellement sont à 33. Et j'ai quoi ? 2 arrière et 3 avant. Ok. Comment je fais pour en changer ? D'accord, mais comment je fais pour les... Ah, c'est nul ! Ok. Ça me vient petit à petit. Ok. Ok. Hop. Est-ce que je peux me déplacer comme ça? Oui, c'est bon. Ok. Hop. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Si vous saviez, chers amis. Les gens qui savent pas paramétrer un truc comme ça, c'est bête. C'est vraiment bête. Enfin bon, c'est pas qu'ils savent pas, c'est que forcément, oui, le jeu a été fait pour des claviers anglais, et c'est juste que c'est stupide de prendre en compte un pauvre pays comme le nôtre. C'est nous qui sommes stupides. On aurait tous joué avec des QWERTY, c'est tout. Ou en mode QWERTY. Bon. D'accord, donc j'ai ce bouton là aussi. Ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièce ? D'accord. Ok. Bon, pour l'instant on est plutôt bon. Juste pour voir, on peut acheter des trucs comme ça, le market. Ok. Ok. Donc si je voulais par exemple faire des pièces avec ce que j'ai actuellement. Sell for, d'accord. Okay. Ah c'est sympa, c'est intéressant. Il y a un système de trucs qui est intéressant. Bon, on va refaire une dernière partie, chers amis. Get the shotgun. Et on verra bien ce que ça va donner. C'est parti. Même si il a le gros véhicule comme ça, ça me plaît, mais c'est pas le camion que je veux jouer. C'est pas le camion que je veux jouer. C'est comme ça. Bon. Alors, il y a un gros groupe là. Lui, il a un radar, clairement. Ok. Lui, je sais pas ce qu'il a à l'arrière. Par contre, c'est sympa, il y a des petits volants qui tournent là sur les côtés. C'est sympa. Voilà Joseph, sur le point de se faire défoncer. Pas forcément. Attaquer Joseph. Ça y est, Joseph se fait attaquer. Hop, ça va être à nous, chers amis. Enfin. Alors, à nous. Allô ? Ah ça y est. Oh là là. Capturer la base ennemie dans une nouvelle map, ça peut être intéressant. Honnêtement, j'ai des doutes sur le... Là par contre, ceux-là me font un peu plus... vrai personnage, ceux-là les autres non. Bien joué.
Hop. Et nous ne roulons plus. Si ? Bon à savoir. Ne passerons dans l'eau que les 4x4. C'est un tracteur. C'est un motherfucking tracteur. Allez, meurs! Voilà. Ok. Hop! Voilà. Mais casse-toi! Tu me fais chier, là! Oh, la gueule. Hop. Allons à la base ennemie. Et récupérons-la. Par contre, j'ai pas encore vu un seul baril. Soyons honnêtes. Ok. Bon. C'est sympa malgré tout comme jeu, je trouve. Bon, il reste plus que deux ennemis. Hop. Bah écoutez, moi j'aime bien, c'est sympa. Alors, victoire. Bon bah parfait. Apparemment j'ai obtenu des trucs. Ok, cool. Un radar, un petit radar. D'accord, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais j'aimerais bien débloquer plus de pièces de véhicules. On va s'en faire une dernière pour ce premier épisode de découverte. Hop. Et on verra bien ce que ça va donner. On verra bien. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, il y a quelques petits détails forcément qui peuvent être embêtants, par exemple les touches là, mais non. Surtout que c'est la moitié du jeu quoi, la construction, mais je pense que ça va être corrigé assez rapidement. Puis on verra. Mais j'aurai besoin de plus de malléabilité dans les véhicules, parce que là c'est pas. Avoir ce robot là, enfin ce véhicule là, c'est pas tout à fait mon genre. En tout cas, pas pour ce genre de jeu, j'aime bien être un tank, mais dans des RPG. Ça ne me dérange pas. Ok, ça va être rapide celle-là. Et nous sommes morts. Youhou ! C'est la fête. C'est la fête. Il a un super truc lui. Véritablement des super trucs. C'est sympa. J'aime bien ce jeu. Dites-moi ce que vous en pensez, chers amis. Oh là là, il y en a un qui s'est cassé la gueule royalement. Wow, c'était quoi ça? C'était quoi? Ok. Boum. Et reboum. Parfait. Bon. Alors j'imagine qu'on a perdu de la durabilité là pour le coup. Et il avait un double shotgun lui. Il est niveau 8. Effectivement, je trouve que là pour le coup le matchmaking était pas top. Pour moi qui suis à peine level 2. Regardez, 225 points de vie avec ce qu'il a là. Moi c'est ce que j'ai. Avec un véhicule complet. Mais bon. On n'a plus qu'à espérer, chers amis. Oh la vache, les dégâts qu'il fait.
57. Bien. GG les mecs. Waouh, c'est stylé quand même. Hein. Bon, on retourne au garage les amis et nous on va se laisser là pour cet épisode découverte. Donc merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez tout simplement retrouver le lien dans la barre de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop.